Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand classique, le flutter atrial. Alors, je ne reprendrai pas l'ensemble des trois diaporamas sur la fibrillation atriale. Je vous propose de garder un œil sur ces diapos ici, dans un petit coin, et de vous détailler uniquement sur l'écran principal ce en quoi le flutter diffère de l'AFA. En effet, en première approche, sachez qu'il existe énormément de points communs entre fibrillation atriale et flutter, et donc, s'il existe un point que je n'aborde pas spécifiquement aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce dernier s'applique aussi bien à l'AFA qu'au flutter. Si on reparle de la définition, eh bien, le flutter atrial, c'est également un trouble du rythme supraventriculaire qui va avoir pour conséquence une perte de l'activité mécanique des oreillettes. Ce qui veut dire qu'il va partager avec l'AFA les mêmes complications, notamment l'insuffisance cardiaque, mais également un risque thromboembolique et la nécessité la plupart du temps de mettre en place une anticoagulation efficace. En revanche, le mécanisme est bien différent car dans le flutter atrial, l'activité électrique est très bien organisée dans les oreillettes. Cela est en rapport avec un mécanisme particulier qui va également donner sur l'électrocardiogramme un pattern ECG bien spécifique. Alors, parlons de ce mécanisme justement. Nous avons ici une vue axée sur les cavités cardiaques droites, avec ici l'oreillette droite, le ventricule droit, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Alors, ce que je vous propose, c'est de zoomer sur le massif atrial pour voir plus précisément ce qu'il s'y passe. Alors, dans les oreillettes, il y a des zones qui physiologiquement ne laissent pas passer le courant. Ainsi, il existe un éperon fibreux sur la paroi latérale ou encore un autre ici, qui fait que le courant ne peut pas passer de là à là, il est obligé de suivre de manière parallèle le bord de l'oreillette. Cela peut former ce qu'on appelle notamment ici un isthme, c'est-à-dire une zone fine où le courant est obligé de passer par ici pour pouvoir continuer de se propager. Un très bon exemple ici, c'est ce qu'on appelle l'isthme cavotricuspide, où le courant électrique doit passer entre l'abouchement de la veine cave inférieure et la valve tricuspide. Ainsi, quand le courant rentre dans cette zone, eh bien, il est capable de passer, mais la conduction se fait lentement, à une vitesse plus modérée qu'ailleurs dans l'oreillette. Il en résulte que, après être descendu le long de la paroi latérale de l'oreillette droite, eh bien, le courant va progresser, le front de dépolarisation va progresser de manière lente, et après avoir traversé cet isthme cavotricuspide, eh bien, le front de dépolarisation va pouvoir reprendre de la vitesse parce qu'il va trouver devant lui du tissu dépolarisable. Vous voyez bien ce circuit qui se dessine, c'est le circuit de macro-réentrée du flutter où on passe par l'isthme cavotricuspide. J'ai rajouté ici les dérivations D2, D3 et AVF qui forment donc ce qu'on appelle le territoire inférieur. Donc, dès que du courant va se rapprocher de ces électrodes qui forment le territoire inférieur, cela va se manifester dans ces dérivations sur le CG par une déflexion positive. Et quand le courant va s'éloigner, eh bien une déflexion négative va s'inscrire sur l'électrocardiogramme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cet aspect en dents de scie, en toit d'usine sur l'électrocardiogramme, dans le flutter. Eh bien, si on repart d'ici, le front de dépolarisation va suivre la partie latérale de l'oreillette, va descendre, et nous allons nous rapprocher relativement rapidement des dérivations inférieures, ce qui va inscrire sur l'électrocardiogramme une déflexion positive avec une pente assez abrupte puisque on descend rapidement. Puis le front de dépolarisation va s'engager dans l'isthme, mais à une vitesse réduite puisque la conduction y est plus lente. Notez que à ce moment-là, nous fuyons à présent les dérivations inférieures. Nous allons donc avoir une pente un peu plus douce et une déflexion plutôt négative sur l'électrocardiogramme. Ensuite, nous ressortons de l'isthme cavotricuspide. La pente de la déflexion négative sur le CG est un petit peu plus abrupte. Et le cycle se termine avec retour sur la paroi latérale de l'oreillette. Vous avez maintenant l'ensemble du cycle et vous voyez très bien pourquoi on a cet aspect en dents de scie très caractéristique du flutter atrial. Si on regarde sur un vrai morceau d'électro, ce qui se passe dans les dérivations inférieures, vous voyez très bien cette séquence de voilà, je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, etc. qui forme vraiment, là en l'occurrence dans les dérivations inférieures, cet aspect en toit d'usine. Alors, un petit point de terminologie, de sémantique. La majeure partie des flutters atriaux que vous verrez, ce sont des flutters qu'on appelle typiques.
typique ou ismique, c'est la même chose. Un flotteur est dit typique ou ismique quand une partie du circuit passe par l'isthme cavo-tricuspide. C'est la définition. Et sur l'électrocardiogramme, les flotteurs typiques se manifestent par des ondes F de flotteurs, qu'on a déjà bien détaillées, en toit d'usine, comme nous l'avons déjà vu. Et ces ondes F de flotteurs ont une polarité plutôt négative. Alors ça, c'est vrai pour les flotteurs ismiques antihoraires. C'est négatif en inférieur, en V6, et positif, vous le voyez, en V1. Ça, c'est la grande majorité des flotteurs que vous verrez. Ce sont des flotteurs typiques, donc ismiques, antihoraires, donc négatifs en inférieur, en V6, positifs en V1. Je vous ai mis un autre ici. C'est exactement le même principe. On est toujours avec cet aspect en dents de scie, polarité inférieure dans les dérivations inférieures et en V6, et cet aspect positif en V1. Pour voir si vous avez bien une polarité inverse entre V1 et V6, il y a un moyen qui est assez simple, c'est de chercher un endroit, par exemple ici, où vous avez une déflexion négative qui est claire et qui tombe exactement sur le grand carreau de l'électro. Et pour que le flotteur soit typique, il faut une polarité inverse entre V6 et V1. Donc quand vous avez trouvé ce que vous cherchez, vous avez juste à remonter. Et voilà, si le flotteur est typique, vous devriez avoir une polarité inverse en V1, une polarité inverse de la déflexion que vous aviez en V6. Dernier point sur les flotteurs typiques, c'est que voilà, j'ai parlé déjà plusieurs fois du flotteur typique antihoraire. Il est également possible, même si c'est beaucoup plus rare, d'avoir des flotteurs typiques horaires. Alors je rappelle que la typicité entre guillemets d'un flotteur, c'est le fait de passer par l'isthme cavo-tricuspide, mais on peut tourner dans l'autre sens. Alors c'est plus rare, mais vous pouvez avoir des flotteurs qui vont être dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous remontez sur la paroi latérale et vous redescendez et vous prenez l'isthme cavo-tricuspide dans l'autre sens. Alors cette fois-ci, l'aspect électrique va être forcément différent, il va être en miroir de tout à l'heure, avec cette pente descendante un peu plus raide et une pente montante un peu plus douce du fait qu'on se rapproche lentement des dérivations inférieures quand on passe dans l'isthme cavo-tricuspide. Donc, en résumé, autant on a vu un anti-horaire tout à l'heure, eh bien un flotteur typique horaire, eh bien il a une polarité positive en V1 V6 et négative en V1. Alors, le dernier cas de figure, c'est celui d'un flotteur atypique. Donc, par définition, un flotteur qui ne passe pas par l'isthme cavo-tricuspide. Et vous voyez un exemple de ce type de flotteur sur ce tracé. Si je prends une déflexion positive là en V1 qui tombe juste sur mon grand carreau, eh bien elle est contemporaine d'une déflexion également positive en V6. Donc on est positif en V1, positif en V6, et on a donc un flotteur qui ne passe pas par l'isthme cavo-tricuspide, comme je vous l'ai schématisé ici. Ça peut être par exemple un flotteur qui est du côté gauche du cœur et qui va tourner comme ça, mais qui ne va pas passer par cet isthme cavo-tricuspide qui est en dehors du circuit. Donc encore une fois, cette zone de l'isthme cavo-tricuspide est fondamentale pour parler du caractère typique d'un flotteur. Je vous propose maintenant qu'on parle dans les flotteurs de la régularité des QRS. Alors, est-ce que les QRS sont réguliers ou pas en flotteur? Alors, dans un premier temps, vous voyez que sur ce tracé, les QRS ne sont pas complètement réguliers. Je vous ai aidé avec ces genres de carrés verts qui font tous la même taille et la même durée. Et vous voyez que globalement, c'est discrètement irrégulier ici. Donc un flotteur peut tout à fait avoir une conduction au ventricule qui n'est pas parfaitement régulière. Ici, par exemple, vous avez quelque chose qui est régulier. Alors, c'est bien un flotteur, on voit les ondes F de flotteur, notamment en V1. Et pour ce qui est de la régularité des QRS, alors on voit que c'est régulier, mais on peut aussi s'aider avec un équivalent de méthode des petits papiers. Alors, si je marque un QRS, deux QRS, trois QRS ici, et que je reporte ça ailleurs, on voit que les QRS sont parfaitement réguliers. Ça tombe juste quand je regarde à plusieurs endroits. Donc, ok, je peux affirmer que les QRS sont réguliers dans ce contexte de trouble du rythme supraventriculaire qu'est le flotteur. Alors, on voit ici le flotteur aussi en inférieur, mais c'est vrai que puisque ça va relativement vite, il y a beaucoup de QRS, il y a beaucoup de segments ST, et finalement, plus ça va vite, moins ça laisse de la place aux oreillettes, donc c'est plus difficile de faire le diagnostic. C'est plus facile, c'est sûr, de voir un flotteur quand la fréquence cardiaque est plus lente. Alors, justement, voici un électro où c'est un peu plus lent, et vous voyez que c'est plus simple tout de suite pour voir ce qu'il se passe
dans l'oreillette. Si je zoome un petit peu ici en inférieur, on voit 1, 2, 3 motifs, un QRS. 1, 2, 3 motifs, un QRS, plusieurs fois. Donc vous avez bien ici un exemple d'une conduction en 3 pour 1, c'est-à-dire que pour 3 cycles, on va dire, dans l'oreillette, vous avez un QRS, donc un ratio de 3 pour 1. Là encore, si je fais la petite technique des petits papiers, je note mes 3 QRS, et si je les déplace, eh bien, je vois que la conduction au ventricule est parfaitement régulière. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus c'est lent, plus ça va être facile de voir quelque chose. Là, vous avez une conduction qui est vraiment très lente au ventricule. Alors là, le flutter, il est vraiment hyper visible, hein, y a aucun problème. Et si vous comptez bien, vous avez 8 événements atriaux pour un événement ventriculaire. Donc, en gros, pour le flutter atrial, pour son pattern électrocardiographique, vous avez des caractéristiques importantes. Celle d'une absence de retour à ligne isoélectrique sur sa dérivation. Vous avez bien compris dans les vidéos précédentes que finalement, quand on revient sur une ligne isoélectrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui circule, eh bien, étant donné que ça boucle en permanence dans le flutter, à aucun moment on se retrouve avec une ligne isoélectrique et on a toujours cet aspect en dents de scie qui correspond finalement à du courant qui se déplace en permanence. Cette activité électrique, par ailleurs, elle est organisée, hein, vous l'avez vu. En revanche, les autres paramètres que j'ai écrits en bas, ce n'est pas des caractéristiques du flutter à proprement parler, c'est juste pour vous dire que voilà, un flutter peut être à conduction variable, ça peut être lent, mais ça peut être rapide la conduction au ventricule, les QRS peuvent être réguliers ou pas, et les QRS, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils soient larges, donc dans un flutter, les QRS sont fins, sauf s'il existe eh bien, un bloc fonctionnel ou un bloc organique, ou l'existence de médicaments antiarythmiques qui vont élargir les QRS, par exemple. Dans tous les cas, vous avez bien compris que l'électrocardiogramme est indispensable pour faire le diagnostic. Il n'est pas possible de faire un diagnostic de flutter juste sur la prise de pouls. L'électrocardiogramme ou un équivalent, hein, ça peut être un Holter ECG ou un SCOP, est absolument indispensable. En ce qui concerne les facteurs de risque de flutter, alors le flutter, encore une fois, est très proche de l'AFA, avec lequel il partage beaucoup de choses, notamment le fait d'être favorisé par la fibrose et la dilatation des oreillettes. Il est même fréquent pour un même patient d'alterner FA et flutter. Alors, on avait parlé précédemment des facteurs de risque de fibrillation atriale. Il existe tout de même des petites différences avec le flutter, car certaines situations favorisent l'émergence de flutter, et notamment de flutter atypique. Alors, parmi ces mécanismes particuliers, citons l'existence d'une cicatrice d'atriotomie qui fait suite à une chirurgie cardiaque. Il va y avoir dans ce cas-là une suture sur l'oreillette, ici par exemple, au niveau de l'oreillette droite, mais ça peut aussi être un autre exemple, celui d'un antécédent d'ablation dans l'oreillette gauche. On a vu ça dans la vidéo précédente où l'ablation de la fibrillation atriale peut nécessiter eh bien, des applications de radiofréquence en différents points dans l'oreillette. Eh bien, il peut tout à fait arriver qu'au décours de cette procédure d'ablation, il y ait ce qu'on appelle un gap, ce que j'ai symbolisé ici par ce petit passage rose, qui est un espace libre qui finalement peut créer un genre d'isthme, puisqu'il manque un point ici, et ce passage qui reste ouvert eh bien, va potentiellement permettre la formation d'un flutter atypique, va donner la possibilité à un flutter atypique de pouvoir tourner comme ça en rond dans l'oreillette. Ce qui veut dire que, en ce qui concerne les facteurs de risque de FA que nous avions vus initialement, eh bien, pour ce qui est des flutters, et notamment les flutters atypiques, je rajouterai l'antécédent de chirurgie cardiaque et l'antécédent d'ablation dans les oreillettes pour les raisons que je viens d'évoquer. Parce que ce sont des procédures qui potentiellement peuvent créer des isthmes et donc des circuits potentiels de macro-réentrée. Parlons maintenant de la prise en charge du flutter. Alors, il existe des toutes petites différences de prise en charge entre FA et flutter. Vous allez voir, c'est vraiment minime. La première, c'est que l'ablation d'un flutter typique, c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'une ablation de FA, puisqu'on avait vu que pour faire une ablation de fibrillation atriale, eh bien, il faut passer en transseptal à travers le septum interatrial, et puis il faut y mettre
généralement deux sondes pour pouvoir aller procéder à l'ablation. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas si simple que ça à mettre en œuvre, alors que l'ablation d'un flotteur typique, eh bien c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez vous contenter de rester dans l'oreillette droite et de chauffer pour détruire l'isthme cavo-tricuspide en restant encore une fois toujours à droite. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de complications et des meilleures chances de succès qu'une procédure à gauche, ce qui fait que l'ablation par une procédure interventionnelle du flotteur typique, j'insiste, est souvent considérée comme un traitement de première intention. Le deuxième point, c'est que la stratégie de contrôle de fréquence fonctionne parfois un peu moins bien avec le flotteur. C'est plus difficile à ralentir qu'une fibrillation atriale, ce qui légitime encore plus le fait de recourir à l'ablation en première intention. Nous allons juste parler très brièvement de la tachycardie atriale, qui est également un trouble du rythme supraventriculaire, mais plus rare que le flutter, qui lui-même est plus rare que la FA. Alors, contrairement à la FA, qui est une activité anarchique, et au flutter, où il existe une macro-réentrée, eh bien dans une tachycardie atriale, il va exister soit une micro-réentrée, donc un circuit tout petit dans l'oreillette, soit une zone qui va se retrouver être douée d'automaticité. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, ce foyer est capable de s'activer, de générer du courant, ce qui va faire que, puisque sa fréquence de dépolarisation est supérieure à celle du nœud sinusal, eh bien, il va prendre le pas sur ce nœud sinusal et finalement, il va être capable de dépolariser l'ensemble de l'oreillette. Alors on voit ici un exemple sur la partie gauche de l'écran de tachycardie atriale. Alors c'est pas très facile à voir, encore une fois, puisque ça va très vite, il y a beaucoup de ventricules, et vous voyez que dans la partie droite, eh bien cette tachycardie atriale va être démasquée par un test au crénozin qui va bloquer la conduction dans le nœud AV et qui va donc démasquer cette activité atriale qui finalement ici pour le coup ressemble beaucoup à une onde P sinusale, probablement parce que la tachycardie atriale vient d'une zone très proche du nœud sinusal. Je vous mets un autre exemple, alors une qualité moindre, j'en suis désolé. Et vous voyez que là, on a un aspect un peu flutteroïde, toujours dans les dérivations inférieures. C'est un peu plus compliqué de faire la part des choses entre tachycardie atriale ou flutter. On voit ici aussi en V1, c'est cette activité électrique. Dans l'absolu, ne vous tracassez pas trop avec ces histoires de tachy atriale versus flutter. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Puisque c'est pas toujours facile de faire la part des choses sur l'électrode surface, et c'est souvent le rythmologue, quand il y a des sondes dans le cœur, qui va pouvoir faire une cartographie de l'activation des oreillettes et répondre à la question. Donc pas d'inquiétude, puisque autant le flutter et la fibrillation atriale, il y a quelques différences, autant vous voyez que tachycardie atriale et flutter atrial sont très proches. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça en deuxième cycle, je pense que vous en savez largement assez. J'ai donc terminé ici cette vidéo, je vous remercie et vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur une thématique bien différente la fois prochaine. Allez, bonne fin de journée.